Bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le samedi 30 avril. Ah oui, on a aussi des nouvelles procédures. Enfin procédures. On a des nouvelles règles que à partir du 2 mai on n'a plus besoin de porter le masque dehors. Donc ça va être super cool. Mais je vais quand même le porter quelques fois quand même, on sait jamais. Aujourd'hui on va aller au Animal Café. On a fait une réservation avant, bon, les gars. Parce qu'il faut toujours faire de réservation avant de faire quelque chose ici, parce que ce soit les musées, les cafés à thème, il faut avoir une réservation. Comme hier on voulait y aller mais c'était pas possible parce qu'il fallait une réservation. Donc on s'est dit on va réserver pour le lendemain, donc voilà, aujourd'hui on a décidé de le faire. Puis ce soir normalement on va faire un Jimjilbang, qui est un sauna coréen. Donc je vais vous emmener aussi avec moi ce soir. On va d'abord manger et on va aller au Animal Café où il y a des kangourous, des chats et etc. Là ça fait 10 000 ans. Regardez le ciel. C'est tout gris, tout gris, tout gris. But it's okay. Parce qu'il fait pas très froid donc it's okay. Du coup, on va manger juste là, un restaurant Viette. C'est vraiment pas cher, attendez, j'ai vu. Voilà. Putain, mais c'est tellement tout ça. Pas bon, ah, c'est trop. Ah, comme ça. C'est ça. C'est trop bon. Oh, je trouve que c'est vraiment. Oh, rooftop. Viens, on va là-haut, là. Non, c'est vraiment des vieilles, en fait. Ça, je te ferai dans pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai cette port là? Est-ce que c'est assez que je pense là? Alors? C'est bon? C'est... Pour moi, j'ai pris du riz avec un œuf. Et elle, elle a pris. C'est quoi? Comme kangar, je crois. C'est ça? Ah, il en dort où? Moi, j'ai juste vu l'image, ça m'a donné envie et voilà. Si elle a chaud, je vais goûter. Moi, j'ai pris. Et elle a pris comme kanga. C'est bon. Ça me fait penser un peu à ta soupe. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Ma soupe elle est jette. Moi j'ai fait moins sucré. Alors les soupes jette, je te jure que c'est salé mais en même temps sucré. Ouais. Tu vas trop aimer. Bon appétit. Oh, je suis trop contente là. Ça sent, ça sent. En gros, ça normalement tu prends, tu mets dans une salade et tu manges. Ou soit tu. C'est bon? Non? C'est bon. Mais? Moi je voudrais plus griller la viande. De quoi? Le tien? Ça s'appelle comment comme plat? Gongcha. Gongcha? Gongcha. Ouais. Gongcha. Bon. Ah bon. T'as bien? On a fini de manger. Franchement, mon plat, il était bon. Mais je le note en vrai un 6,5 parce que c'était vraiment spicy, je pouvais pas le manger. Et Mélissa elle a fini mon plat. Mais du coup j'ai mangé un peu de son plat parce que c'était vraiment super spicy. C'est vraiment vraiment et trop. C'était bon, tu le notes combien ça? Le tien? Ouais. Franchement le tien je le note un 9, enfin 8,5, 9 sur 10. Okay. Franchement je l'ai super. Moi, j'ai plus aimé. Je le note un 7. Hein. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai plus aimé ce plat là. Que mon plat. Et t'as ton plat, je donne un 4, un 5. Parce qu'en même temps, il était pas. Non, mais je trouve. Enfin, c'est pas le goût que j'espérais. Ouais, moi non plus, c'était pas le goût que je pensais mais que c'était. Bon, on reviendra. Mm-hmm. Là, du coup, il est 15h30. Il est trop tard, on s'est rendu compte. C'est pas le Jimjilbang. Oui. Je suis trop excitée. Du coup, là, on va juste prendre un petit truc dehors, un petit dessert, et ensuite, on va aller.
au Kangourou Café. T'as un problème? Yogurt. Vas-y, dis yogurt. Bah, yogurt. 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 Yann Combreur, pâtisserie. Ouh, achète-moi. Tu vois, achète-moi. Achète-moi. Raquette. Ah, mais il y en a deux. Ils sont raccordés, genre. Ouais, non, mais c'est genre. Ah, c'est pareil. Same. Same thing. Same. Voilà, du coup je me suis pris un petit tiramisu et elle son petit smoothie à la mangue. Regardez, elle a pris une mangue, enfin un mango smoothie, et dès que je lui ai dit il y a un méga coffee juste là-bas, elle en veut plus. C'est elle, elle veut. Elle en veut plus. C'est elle, elle veut. Méga coffee. My life. Attends, vas-y. Là. Si là, tu me fais commander là. Tiens. Mais c'est toi. Tu m'as dit non, mais tiens ça, je prends ça. Belle. Non. Voilà, on est arrivé. Le Mercat Café. Finalement, c'est là. Ils avaient mis une affiche là-bas, mais apparemment, c'est là. Ça sent pas bon du tout. Tu sens l'odeur? Ouais. Ça fait des guillis. Ça fait des kills. C'est des wallabies. Ça c'est le raccoon du coup. Il est là. Il s'est caché, voilà. Il y en a qu'un seul ou il y en a plusieurs? Il y en a très. Ah bah voilà. Bon, il est trop gourmand, lui. Non, il a peur. C'est ça le. Ouais, c'est petit hein, quand même. C'est trop petit quand même comme cage. C'est bizarre, hein. Je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. C'est trop serré, non? Pour eux. Ils ont que ça à l'intérieur, ils ont même pas de plantes ou. Je suis pas trop à l'aise. Ah, c'est des verres. Oh my gosh. Non mais c'est pas. Ouais. C'est vraiment cool. T'as vu? Oh, ça. Bon, nous on va y aller parce que. Bon, bah, du coup,
On a fini de visiter le Mercat Café. En fait, je suis un peu déçue quand même. Parce que je pensais déjà que les enclos étaient beaucoup plus grands et qu'ils sont un minimum confortables. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas très confortables et qu'ils étaient... Ils ont loué un appart et puis voilà. Ouais, enfin... C'était la fiesta. C'était pas comme le Dog Café, tu vois. Ça se voit, ils étaient heureux et tout, alors que là... Ils sont habitués à vivre dans un environnement comme ça. Alors que les Siricat, les Fox et tout, je suis en train de dire, ouais, ça va pas. En plus de ça, il y avait trop de monde et... Ça pue et... Ouais, enfin, il y avait... Bon, après ça, c'est les animaux, mais... On peut s'adapter, enfin, s'habituer et tout, mais... C'est vraiment par rapport à l'espace qu'ils ont. C'est vraiment très très petit. Bon, mal aménagé. Ouais. Bon, là on va rentrer, on va d'abord s'habiller, tout ça, etc. Et ensuite on va aller au Jim Dilbang. Regardez comment il y a énormément de monde à Hongdae aujourd'hui. Comme aujourd'hui c'est un samedi. Oh, incroyable. Je m'approche de toi. Mais t'approches pas de moi en fait. Donc là, on ressort. On va aller dans un sauna coréen qui s'appelle un Jim Jilbang. Parce que depuis le temps que je voulais faire un Jim Jilbang avec Mélissa, tout le temps elle repoussait. Là-bas, on va manger, on va se reposer, on va parler. Mélie la mystérieuse. Donc voilà, c'est le Jim Jilbang Dragon Hill Spa and Resort. Elle vient de me dire qu'il fait partie des, enfin, du top 5 des meilleurs Jim Jilbang à Séoul. Ah oui, c'est vrai. C'est attirant quand même. Yongsan, moi jamais vu. Ah ouais. On va faire une photo avec ça. Ok. Voilà les ambiances. Alors qu'à Paris, t'es en mode c'est fort, t'as vraiment trop peur. Dragon Hill. Mais c'est bien sympa tout ça. C'est où? Par contre, je sais pas où est l'entrée. Peut-être c'est là. Hein. Un peu zarbe. Non, c'est pas là, je pense. Hein. Je pense pas que ce soit là l'entrée. Viens, on va voir là-bas. Bah non, c'est bien là, regarde, Spa Resort. Bon, ça doit être là. But where? Ça fait peur un peu là, non? Non, t'inquiète, c'est pas peur. C'est une entrée ça? Oh! Bah, ça doit être là. Hein. Ah, regarde. Je serais jamais venue ici toute seule. Oui. Je pense pas que ce soit là. Hein. Ça me fait peur là. Moi aussi, hein, parce que là, si on nous prend, pas de moyen de descendre. T'imagines, on se fait kidnapper ici là. Je te jure. Attends, on va demander aux gens au pire. Peut-être c'est vers dehors, non? Les gars. La devanture là-bas. par contre, là, ça fait super peur. On sait pas du tout où on se trouve, il n'y a même pas d'entrée ici. Là, ça semble être fermé. Donc, on va essayer de voir à gauche. Là, peut-être. On va essayer de voir ici. Mais c'est quoi ça, en fait?
coup. Moi ça me fait un peu peur Mélissa. Vas-y, viens, viens, on regarde quand même. Tiens, moi l'avant. Mais en plus c'est ouvert. Attends, on va les appeler sinon. Regardez là-bas. Non mais c'est un parking, Nati. Mais c'est pas là, alors viens, on descend. C'est trop peur là. Attends, viens, on les appelle. Non mais on va les appeler en fait. Faut pas faire n'importe quoi. Bon, y'a pas de caméra. Ah. Ok. Bizarre. Là on nous dit là en fait. Mais c'est où en fait? Bon, on a croisé des gens, ils nous ont dit que c'est fermé. Ils ont dit c'est fermé, mais c'est trop bizarre parce que leur truc il brille en fait en haut. Il y a écrit 24h sur 24. Il y a quelqu'un il y a 4 jours qui a posté un commentaire. Ouais, c'est ça en fait. C'est trop bizarre. Un faux commentaire. Trop trop bizarre. Du coup, bah on va essayer de trouver un autre Jim Gilbert. Hein, Et en fait, bah, du coup, c'est à cause du Covid. Hein, ouais. Et je pense pas que si celui-là il est fermé, les autres doivent être fermés aussi. Hein. Bon, voilà, ce site est un gros gros fail. Vous voyez derrière moi, regardez les lumières là pendant qu'ils sortent. Ils sortent, mais. Finalement en fait ils sont fermés à cause du Covid et pratiquement tous les Jim Gilbang ici à Séoul sont fermés à cause du Covid. Donc bah là on a préparé nos affaires, j'ai ma serviette, j'ai tout à l'intérieur. On va à la piscine. Et finalement bah voilà, c'est fermé. Bon bah on chill en fait. On garde la vue comme des vieux. On attend plus que les pigeons. Mais on fait quoi là en fait? On fait des câlins. Non. Des câlins pour faire les gens passer. Où sont les pigeons? On vient d'acheter du pain. Donc comme on n'a pas pu faire le Jim Gilbang, bah on se retrouve ici au Yongsan Ai Mall Park. Et on s'est pris une petite pizza. Voilà, Girls Night ici autour d'une petite pizza. Très chill, regardez avec les petites lumières. Et j'ai choisi une boisson au hasard tout à l'heure. Mélissa avait les yeux fermés, elle m'avait dit stop. Du coup, petit crash test parce que je connaissais pas cette boisson. Et il y a zéro calorie donc c'est super bien. C'est pas bon? C'est du thé sans goût. Enfin, c'est du thé sans sucre. Ah bah, goûte-le. Ouais, c'est ce que j'aime en fait. Voilà. Vas-y, dis si c'est bon. Franchement, pas trop sucré, parfait. C'est ce que t'aimes quoi. Ok, attends. C'est grave bon. Faut de la lumière s'il te plaît. Tout ce que t'aimes pas. Moi j'aime bien. Ça va, ça encore ça va. Ah ok, je me mets là. Et du coup là, il y a mon papa qui m'appelle. Comment dit oui papa? Genre, comment dit oui? Yes, il y a pas oui. Ah ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Hello Paul, je dis ça va papa? Du coup comme on n'a pas pu faire, je suis en train de faire un vlog. Pourquoi vous faites quoi là? Ok bah tu me regardes alors. Il a raccroché. Girls talk. Mais on dirait que t'es loin non? Déjà je suis loin. Ça y est. Attends. Vas-y. Je vais mieux enlever ça là. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Ok, d'accord. C'est pas ça mignon la pizza là? Regardez la part. Voilà. Regardez la pizza comme elle est. Comme ça. C'est comment? Attends. Super bon. Ok. À mon tour. Donc voilà, on a fini de manger la pizza. Franchement, la bonne. Pâte, en fait, elle était bonne, mais le bout le bout de pizza, il y avait un goût de biscuit. C'était pas comme les pâtes de pizza. Ouais. C'est pas comme les pâtes de pizza à Paris où c'est mou et tout. C'est croquant et mou. Alors que là, c'est trop croquant. On dirait vraiment un biscuit. Donc pour ma part, la pizza, j'ai la note 5 sur 10. Vraiment. Toi t'as bien aimé ou pas? 5 ans. Ouais, pareil. Enfin, on est objectif parce qu'on a tellement testé de plats. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. De retour à la maison.
Là, on va partir au lunch. Enfin, on est au lunch. Non, tu veux pas allumer la lumière? On va faire Girls Night ici. On va regarder le film Harry Potter et la coupe de feu.